dance, motherfucker. Ah non, 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 vas-y, laisse-nous sortir. Non, non. Mais Diego, mais non, c'est éclaté, Diego. Pour moi, il a volé le succès de Dora. Si vous êtes pas... Ok, vous êtes pas sage? Ok, on va garder Trotro. Non, c'est bon. Le gâteau de Trotro sera beaucoup plus gros. Attends, ça y est? C'était ça l'épisode de Trotro? Mais y a pas de chute, y a rien. C'est un peu, je sais pas, c'est bizarre, non? T'imagines les mecs qui écrivent les scénarios de Trotro? Ils arrivent, ils se disent, bon, aujourd'hui, il va faire son lacet, là, il va ramasser une feuille. Putain, je suis sur ma faim, là. Qu'est-ce que tu serais si tu étais une petite fleur? Baba, papa, churros, coca bien frais, un myosotis. Excellente réponse. Myosotis. J'espère que c'est pas une position du Kama Sutra. Oh putain, mais je vois des nanas et tout. Mais quoi? Mais c'est une blague? Je tombe sur le modèle, une modèle avec des énormes big boobs all natural. Je pensais que c'était une belle petite fleur, moi, yon, mais là, c'est plus du tout ça, là. Pas ça, là. Je vais mettre flower. Myosotis, je tombe sur des femmes avec des énormes bubs. Qu'est-ce que tu me fais, là, yon? C'est pas une petite fleur. Là, je t'assure, c'était pas une petite fleur bleue, là. Petite fleur bleue, une petite fleur bleue qui fait du 95, ouais. Je suis pas concentré, je suis pas du tout concentré. Je vais ouvrir mon chat. Enfin... Je vais ouvrir à mon chat, parce que je vais ouvrir mon chat, c'est pas vrai. Bravo, tu es très beau, Trotro le clown. Oui, mais Trotro le clown a très faim. Tu vois, ça se finit, c'est dingue. Je trouve que ça se finit tellement jamais au bon moment. Il pourrait très bien faire, j'ai vraiment très faim. Haha, ben viens alors, Trotro. Trotro, ça te sent à table. Bon appétit. Fin de l'épisode. Non, j'ai vraiment très... Générique. T'es là, mais gros, faites un effort! Et c'est ça sur chaque épisode! Enfin, on l'aime quand même bien fort, Trotro. Enfin, moi, je l'aime. Hé, hey, s'énerve! Cassez-vous! La grand-mère, la pute. Elle vous suit! Je suis riche! Akrion qui nous ralasse de 10 subs! Épousez-moi! Mon panier est bien rempli. J'en ai beaucoup cueilli. Oh. Mais quel loser! Mais quel loser! Non, mais regardez-le! Mais qu'il est con! Il n'y a personne qui le respecte. Et on sous-estime ces dessins animés. C'est génial ce qui vient de se passer. J'espère que t'es prête. Ça va, Pauline? Ça va, Pauline? Tu vas les gerber? En fait, j'ai énervé le démon juste quand t'étais toute seule dans la maison. Bon, je vais te montrer ton cadeau. J'espère que tu vas être content. Vraiment, là, c'est le top du top du top du top. Alors là, vraiment, je pense que c'est presque philosophique comme jeu. Félicitations, mon grand. Tu as gagné Trace Simulator 2020. Tu as gagné un simulateur d'arbres. Le 2020 est très important, j'en doute pas une seule seconde. C'est clair que les arbres de 2019 ne sont pas les arbres de 2020. Et surtout, j'ai hâte que tu nous partages en direct ce que sont les succès Steam de ce jeu. C'est pas une blague! Jusqu'à ce que même moi je choisisse ce jeu, je me suis demandé si c'était pas une blague. Ça n'est pas une blague. Il était marqué, c'est exactement ce que ça semble être. Vous êtes l'arbre, vous êtes égal à aucun autre. Relaxe-toi et soyez le meilleur arbre que vous pouvez être. C'est ça la description du jeu. Est-ce que vous vous rendez compte? Ah bon, en tout cas, félicitations, t'as gagné un très très beau jeu.